15 up. Ah oui, parfait. Parfait. 40, 30. Ah oui, bien contre-attaqué. Oh, c'était bien tourné pourtant de la part de Dementieva, mais c'était un tout petit peu trop long. Ah oui, parfait. Oh, bien joué ça, cet angle court croisé trouvé par Elena Likhovtseva. Ouais, c'est pas assez retourné. Exact, ouais. On en avait d'ailleurs beaucoup parlé au moment de la finale de la Fed Cup l'an passé entre la France et la Russie à Roland-Garros. On se demandait comment Elena Dementieva pouvait remporter sous ces matchs. Voilà, la première, on en parlait. Ouais, deux doubles fautes de chaque côté pour débuter cette rencontre. Un break déjà pour Elena Likhovtseva. Deux jeux à zéro dans cette première manche. Parfait sur la ligne. Jeu Elena Likhovtseva, break confirmé. Trois jeux à zéro. Le contre-pied, il est parfait de la part d'Elena Likhovtseva. Non, c'est trop long. Et jeu, Elena Dementieva qui remporte son premier jeu dans cette première manche. Vous parliez hein, de ses résultats, de ses premiers résultats, Elena Dementieva. Et c'est vrai qu'elle avait fort à faire hein, dès le premier tour. Quand la personne de Mirza qui est classée 38e mondiale. Et ensuite de Megan Chaugnessy qui, il y a encore quelques années de ça, peu de temps. Ah oui, ouais, parfait. C'est parfait ce qu'elle vient de faire. Et on a le sentiment qu'elle est un petit peu gênée. Qu'elle est gênée, oui, qu'elle souffre. L'intervention du kiné. Voilà, c'est fait. Le break de retard. Ouais, elle a repris son service de retard, Elena Dementieva, sur un jeu blanc en plus. Ah, et parfait ce que vient de faire une nouvelle fois Elena Dementieva. Ouh, c'est dedans? Oui, c'est sur la ligne. C'est trop long. La tenue. Et jeu, mademoiselle Elena Likhovtseva. Ah, un dérèglement tel quel, c'est impressionnant. Elle va y être. Oh, il est beau ce passing. Elle avait anticipé Likhovtseva côté coup droit.
Oh là, quel gifle hein, du fond du court. Et bien voilà, nouveau break. Ah, c'est bien ce qu'elle vient de faire au filet, là, elle est là, Likhontseva. Toute petite première, hein. 109 miles par heure, ça correspond à 176 km/h. Et jeu, Elena Likhontseva, 5 jeux à 3. Sacré retour. Hein. Sacré retour là de la part d'Elena Demetjeva. Ah, c'est parfait, là, ça vient de faire Elena Likhontseva. Demetjeva n'est plus là. Et ensuite, frappe à l'opposé. Balle de 7, balle de 1 manche à 0 pour Elena Likhontseva. Non, elle sort. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait une double faute, pourtant Elena Likhontseva, c'est la sixième. Oui. Ah, c'est superbe. Ouais. Sacrée défense là. Oh là là, bel échange, quel échange remporté par Elena Demetjeva. C'était une belle performance et elle avait battu en finale très sévèrement Martina Hingis. Anastasia Miskina. Ça avait été un match très serré. Bien tenu dans la diagonale des revers cet échange. Ah oh, oui, c'est super. Bien joué de la part d'Elena Demetjeva. Rien à dire. Hein. Elle s'est bien appliquée, elle a bien fléchi les jambes car c'était pas facile de remonter cette balle qui est passée juste au niveau de la partie la plus haute du filet. Revers long de ligne, magnifique, qui laisse très loin de la balle Elena Likhontseva. C'est parfait hein, au niveau de son placement. Jeu, Elena Demetjeva, 5 jeux partout, première manche. Et Dinara Safina et Elena Demetjeva sur le double décisif, eh bien, se sont imposés face à Mauresmo Pierce, 6-4, 1-6, 6-3. Ça avait été une grosse déception pour l'équipe de France. Les Françaises étaient tombées sur une Elena Demetjeva vraiment en réussite. Impériale, effectivement. À la recherche de son souffle. Il aurait fallu monter là-dessus. C'est bien touché. Ouais. Oh, elle a du mal à se déplacer, Likhontseva. Bien retourné ça. Ah ouais, super. C'est remarquablement retourné de la part d'Elena Demetjeva qui a eu une occasion. Et voilà, c'est fait le break. Une nouvelle fois pour Elena Demetjeva. C'est la première fois du match qu'elle est en tête, Elena Demetjeva. 6 jeux à 5 pour la plus jeune des deux Russes. Bien sauvé.
enfin une balle à hauteur d'épaule. Bonne longueur de balle, mais ça revient dans le court. Oh, c'est bien joué de la part de Dementieva. Balle de 7 pour Elena Dementieva. Superbe accélération. Hein. Jeu et première manche pour Elena Dementieva, 7 jeux à 5. Oh, ça s'est bien retourné. C'était bien monté hein, de la part de la plus vieille des deux Russes. Dementieva, elle est belle celle-ci. Ah, elle a enfin lâché son coup. C'est le premier coup qu'elle lâche. Il est parti vite hein, celui-ci. Boum, allez, une nouvelle fois elle lâche son revers. Allez. Allez, 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 allez. Elle s'arrache, elle s'arrache. Ah oui, belle défense, elle se bagarre bien. Encore un tout petit peu plus sur celle-ci. En bout de course, limite. Elle a failli être doublée. Oui. Parce que Likhovtseva lui a quand même fait faire l'essuie-glace. Et c'est Likhovtseva qui au finish craque. Bien joué. Oh, le retour une nouvelle fois de Dementieva, ça cloue sur place Likhovtseva. Et une nouvelle fois, un excellent retour. Okay, Miss Likhovtseva. Un jeu Likhovtseva qui reste en tête dans ce deuxième set, deux jeux à 1. J'imagine, Algal, qu'elle doit faire des gammes quand même de lancer de balles, de service. Elle doit vraiment travailler ce coup. C'est. Ouais, mais c'est parce c'est qu'elle elle n'a aucune sensation. Et jeu Elena Likhovtseva qui prend l'avantage dans cette deuxième manche. 3 jeux à 1 pour Elena Likhovtseva donc. Voilà, c'est fait. Elena Dementieva reprend son service de retard. Elle ne laisse pas la confiance s'installer dans l'esprit d'Elena Likhovtseva. Elena Dementieva a tout simplement refusé d'aller participer le tournoi d'Anvers en février qui suivait cette affaire. Et on peut comprendre aisément. D'ailleurs, ça ne crée pas que des dégâts hein, pour le joueur lui-même, c'est également pour l'entourage. Et, Ouf 40-30. Non, c'est trop long. Et 3 jeux partout. Bien jugé. Ah oui, c'est parfait. Oh là là, elle claque ses coups vraiment en ce moment, Elena Dementieva.
Elle a vraiment envie d'enfoncer la tête sous l'eau à Elena Likhovtseva. Et elle laisse sur place Likhovtseva sur son dernier revers. Regarde, elle bouge pas. Elle l'attend au dernier moment avant de choisir la direction qu'elle va prendre. Ça va agacer Likhovtseva parce que le retour boisé. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu, effectivement. Et surtout, donc, non seulement elle a eu ce retour boisé, mais en plus, au moment d'effectuer sa course, son démarrage, elle a glissé. Elle a glissé, mais sur la partie sablonneuse hein, maintenant de ce cours, comme sur tous les autres cours d'ailleurs, vous voyez ces fonds de cours et toutes ces marques blanches. C'est ni plus ni moins que du sable maintenant. Ouais, bien déposée cette volée. Elle va y être et elle passe Elena Likhovtseva à Dementieva pour s'octroyer une balle de break. C'est dommage hein, parce que Likhovtseva sur cette montée a joué dans la course de Dementieva. Et ensuite, hein, quelle accélération du côté de la Russe pour aller chercher cette balle. C'est parfait. Et c'est fait. C'est fait le break pour Elena Dementieva. 4 jeux à 3. Non, c'est téléphoné. Ouais, c'était complètement raté et téléphoné. Ah oui, c'est parfait dans le contre-pied. Et ça faisait longtemps hein, qu'on n'en avait pas vu. Et ça lui permet de sauver cette balle de break à nouveau. Yes. Qualité. Dans le replacement de Likhovtseva. Ouais, et balle de 5 jeux à 3 pour Dementieva. Ah, elle était menée 15-40 sur son jeu de service. Une nouvelle fois, hein, cette balle-là, il fallait la remettre. Mauvais choix tactique, hein, par contre. Revanche. Ok, Miss Dementieva. Les jeux, Mademoiselle Dementieva, 5 jeux à 3. Oh, là, c'est joli encore ce revers d'attaque d'Elena Dementieva. Balle de match numéro 3 pour la Russe. Advantage, Miss Dementieva. Allez, hein, il ne faudrait pas laisser passer trop d'occasions du côté d'Elena Dementieva. Ah oui, elle joue bien les points lorsqu'elle se retrouve à égalité. Et c'est et fait, c'est fait. La quatrième est la bonne pour Elena Dementieva qui remporte cette rencontre en 2-7 sur le score de 7-5, 6-4. Elena Dementieva est en huitième de finale ici à Wimbledon. Elle est heureuse, Olivier. C'était pas facile, hein. Encore